le droit de faire comme si on était à la télé. Enfin, parce que Alex, il a pas le temps, donc il va être obligé de monter super rapidement. Oui, ce soir, c'est le presque direct sur No Life pour fêter le départ en vacances de No Life. On revient en septembre. Hein. Enfin, on espère. Voilà. Il y a tous les animateurs de la chaîne qui sont pas partis en vacances. Voilà, on est tous là pour passer une soirée avec vous. Alors, tu commandes les pizzas, t'appelles tes potes, et puis tu viens sur Internet, sur le site de No Life, et puis tu nous envoies des petits mails, et tu nous demandes ce que tu veux voir. Séries, émissions, pas les dessins animés, hein, on peut pas, les clips, et puis tu nous demandes des défis, par exemple, tu peux demander un Geeks Life spécial. Non. Ah non. Tu peux demander une minute pour parler d'eux, t'envoies un sujet, tout ça, machin. Tu peux poser des questions à Docteur Lacave, par exemple, une question à Docteur Lacave. Voilà, il n'y avait pas de question, donc il ne peut pas répondre. Il y a par exemple Fabien, tout à l'heure, il nous a dit « Souhaitez-moi un bon anniversaire !» Alors tous ensemble, bon anniversaire Fabien ! Et est-ce que tu Fabien ? Super, toute la soirée ça va être comme ça, alors ne pars pas. Et puis tout de suite on voit Arjuna, hein, les derniers épisodes, et puis on se retrouve après pour le premier presque direct de No Life. C'est bon ? Moi ça me va. Ça me va. Moi j'entre chez moi. L'innovation est toujours au rendez-vous, puisque c'est un RTS où l'on se déplace comme dans un FPS. Si vous comprenez pas, vous pouvez zapper, hein. La démo, tout le monde me demande, mais qu'est-ce que c'est qu'une démo? Alors je leur réponds, c'est une démo. Salut les petits amis de No Life, on se retrouve pour le prochain chez Marcus, le dernier de la saison, pour un grand moment de poésie, de méditation, de zénitude. Le nouveau Mortal Kombat sur Wii, on va arracher des tripes à coups de Wiimote, on va leur décapiter la tête, les genoux, tout ce qu'on veut. Ça va être le bonheur. On va finir en beauté cette saison, croyez-moi, Mortal Kombat sur Wii, dans le prochain chez Marcus. Je vous attends. Bon, alors ça continue, plein de mails, merci d'être avec nous, hein. J'ai l'impression d'être à Cognac G et tout, c'est la folie. J'ai des fiches parce qu'il y a trop de gens qui demandent des choses. Alors, je commence tout de suite par... merci, c'est très gentil de me faire de l'air. Il y a Tipeee qui demande de voir ce qu'on a fait à Japan Expo avec une case en moins et Monsieur Poulpe. Alors, ça sera à la rentrée, il y a Cléroche pour l'instant, mais spécialement pour toi, on a fait un petit montage que tu verras tout de suite après ce plateau. Il y a plein de musiques qui ont été demandées. Police X par Monsieur Bloop. Dido, Leto 2 et Guillaume. Olivia par Monsieur Bloop. Monsieur Bloop, tu postes beaucoup, tu n'as vraiment rien à faire peut-être. Hidden Palace, il y a un Hidden Palace de diffusé demandé par Géolite, Achevet, Monsieur Bloop, Vivien, Yerovren. Mange mon Geek 5 avec ton papa. Oui, mon papa qui sûrement ne regarde pas nos lives, mais je l'embrasse quand même. Voilà, demandé par Jonathan, Benoît, David P, Arcana, Adam, Taxis 44, Anthony Da, Guillaume, Franck, Papin, Leto 2. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de mauvais goût sur cette chaîne. Il y a Genki Rockets, demandé par Radionat et Leto 2. On encourage Lothar qui est sur le serveur Souramar en ce moment même, et dans les enclos héroïques et il bataille un petit peu, donc bonne chance à toi, bonne chance à vous. Courage. Espoir, tradition. Alors, il y a une question qui revient assez souvent, c'est, alors Suzuka, les gens demandent, comment Alex et toi, vous vous êtes rencontrés? Alors... Sogoy. Sogoy. Alors, Monsieur Poulpe va montrer ses parties, mais après 22h30, parce qu'on est sur No Life, donc voilà, il faut attendre 22h30. Il y a, alors, Didier... Il y a Antoine, enfin Didier déguisé. Ah oui, Didier, voilà. Ouais. Et il y a Antoine qui demande un joyeux anniversaire. Donc, joyeux anniversaire, Antoine. Joyeux anniversaire, mec. D'ailleurs, c'est fini pour les anniversaires maintenant. Arrêtez de demander. Hein. Et il voudrait qu'on lui chante la chanson d'Elmo. C'est Saint Elmo Song. Oui. C'est Elmo Song. C'est Elmo Song. This is the song, la la la. Elmo Song, la 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 la. Voilà, super. Et pour terminer ce plateau, on termine avec la demande de Fabrice et d'Antonida.
Bonjour, bienvenue dans Hidden Palace. On connaît tous les mascottes de Sega, tels que Wonder Boy, Alex Kidd ou encore Sonic. Pourtant, il y a un petit personnage que l'on connaît beaucoup moins, un petit oiseau bleu aux joues rouges, il s'agit de Flicky. Il apparaît pour la première fois, en 1984, dans les salles d'arcade. Créé par Ishii Yuji, cofondateur de la Sonic Team, c'est certainement pour une de ces raisons qu'on retrouvera Flicky dans la plupart des aventures de Sonic. Dans ce jeu, vous incarnez Flicky. Vous devez trouver et accompagner des petits poussins, des Chirps, tout en évitant les chats et les iguanes qui ont envahi la maison. On aperçoit Flicky pour la première fois hors de son contexte dans Sonic the Hedgehog, où il apparaît comme une créature à sauver des griffes de l'infâme Dr. Robotnik, alias Dr. Eggman. Pour ceux qui penseraient qu'il s'agit d'un oiseau bleu quelconque, la preuve, la page 6 du manuel japonais où Flicky est présenté sous son nom. De la même manière, on retrouve Flicky dans Sonic 2, où, chose particulièrement intéressante, il partage sa palette de couleurs avec celle de Sonic. Par exemple, quand Sonic trouve les 7 émeraudes du chaos, il se transforme en Super Sonic. Flicky partagera alors cette couleur dorée. Lorsque l'on provoque le bug des cascades, appelé mode Ashura au Japon, Sonic prend cette teinte verte et noire. Flicky le fera également. Et enfin, en insérant la cartouche de Sonic 2 dans celle de Sonic et Knuckles, l'Echidné rouge devient le héros. Il échangera donc sa palette avec celle de Sonic. Le Flicky devient rouge. Dans Sonic 3, quand Tails trouve les 7 émeraudes du chaos, 4 Flickys dorés viennent tourner autour de lui, le rendant invincible. Mais son apparition la plus flagrante reste celle de Sonic 3D Blast, sous-titré The Flicky's Island, l'île des Flickys en français. Pour la première fois, le Flicky est considéré comme une espèce animale à part entière. Il existe désormais des Flicky bleus, des Flicky verts, des Flicky rouges et même des Flicky mauves. Dans cet opus qui tient plus d'une suite directe de Flicky que d'un épisode de Sonic à part entière, Sonic doit trouver les Flickys et les mener à la sortie, à la manière du jeu original. Plus tard, dans Sonic R, on retrouvera une nuée de Flickys survolant la course. Ce sont exactement les mêmes que ceux de Sonic 3D Blast. Ce qui n'est pas surprenant, quand on sait que les deux jeux ont été développés par le même studio, Traveler's Tales. Un Flicky accompagnera également Amy, tout au long de sa quête, dans Sonic Adventures sur Dreamcast. C'est en fait Lily, un petit Flicky que l'on retrouve d'ailleurs dans le dessin animé Sonic X. Mais ce n'est pas tout, Flicky apparaît également dans d'autres jeux Sega, notamment des jeux d'arcade. Dans Flashpoint, Flicky vous présentera le stage. Attention, ça va très vite. Dans Bloxyde, un autre puzzle game de Sega, Flicky viendra vous prêter main forte lorsque vous activerez l'item F. F comme Flicky. Dans Super Monaco GP, on trouvera des bannières publicitaires à l'effigie de Flicky. Il viendra même vous consoler en cas de game over. Plus surprenant, dans la version Game Boy Advance de Gunstar Heroes, il y a un clin d'œil clairement identifiable à Flicky. En effet, au détour d'un monde, le héros se retrouve au milieu d'une grotte où sont dissimulés des Chirps et des ennemis. Le héros fait alors figure de Flicky, doit sauver les Chirps et les mener à la sortie. Flicky est décidément un des personnages les plus récurrents dans le monde des jeux vidéo. Alors, la prochaine fois que vous jouerez, gardez l'œil. Il y a peut-être un petit oiseau bleu qui se cache derrière les pixels.
le 5e épisode de Mange mon geek, l'histoire était tellement passionnante que j'ai décidé d'en écrire un livre. Et comme toute bonne histoire, elle commence par « Il était une fois, alors que j'entrais dans la cuisine ». Papa, tu voulais quoi alors ? Écoute mon fils, tu tombes bien, tu as 26 ans, tu es en âge de connaître la vérité. Je ne suis pas tes vrais parents. Tes vrais parents sont venus te chercher et ils t'attendent dans le jardin. Mais c'est terrible ce que tu me racontes, mais attends, moi je dois présenter mon émission de cuisine. Tu es un homme maintenant, fais ce que tu dois faire. D'accord, mais tu vas m'aider ? Ouais. Ok. Alors bonjour et bienvenue dans Mange mon geek, aujourd'hui une émission spéciale puisque nous sommes à Buchy, terre du terroir et rure du rural. Aujourd'hui une émission spéciale puisqu'on n'est pas chez moi mais chez mon papa. Alors c'est une émission placée sous le signe de la consanguinité. Aujourd'hui on va voir le riz au coca. Le riz au coca est une recette assez bizarre dite comme ça, mais vous allez voir que c'est super bon. Et pour ça donc je suis assisté de mon assistant super rock'n'roll, mon père. Donc pour la recette, on a besoin de riz pour une personne, on a besoin de deux oignons, on a besoin d'un cube de bouquet garni qu'on met d'habitude dans le pot-au-feu, c'est un truc de vieux mais là on va s'en servir aujourd'hui pour un truc de jeune. Il faut du jambon et ensuite il nous faut de l'huile et du coca. Mais attends, tu parles à qui là ? À la caméra en fait, c'est pour la télévision française. Pardon. Donc on peut commencer, on peut passer à la recette. Pour ça c'est très simple, on met un wok ou une poêle sur le feu. Ok, on rajoute un peu d'huile, hop hop. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Très bien, maintenant il faut couper les oignons. Papa, on coupe les oignons, chacun un oignon. Voilà, tu coupes comme quand tu m'as circoncis quand j'étais bébé. Ah bon, d'un coup sec ? Bah merci, hein, je m'en rappelle. Mais en fait, on est en train de tourner, Aude. Si tu pouvais fermer ta gueule. Tu peux cadrer sur les stagiaires qui font chier ? Alors, on met les oignons dans l'huile. Donc maintenant, il faut attendre que les oignons rôtissent. En attendant, on peut se faire des bisous. Ah, ça la bouge. Très bien, maintenant que les oignons sont fondants, on peut rajouter le riz. Ça t'intéresse, hein ? Ouais, toujours. Ok, donc on met le riz avec les oignons sans mettre d'eau. C'est important, même si ceux qui s'y connaissent diront « Ah, il faut mettre un peu d'eau ». Et on rajoute aussi le cube de bouquet garni, comme ça, tac, paf, voilà, à l'arrache. Et on remue un petit peu. Hein. Et le bouquet garni, il faut bien lui écraser la gueule. Voilà, faut bien l'émietter. On dit normalement c'est ça normalement. Et donc ce riz avec les oignons comme ça, cette mixture infâme qui rappelle ce qui sort de notre bouche les lendemains de soirée, cette mixture il faut la laisser comme ça 8 à 10 minutes. En attendant, il faut baisser le feu. Maintenant que le riz est devenu transparent, enfin on dit c'est une expression mais bon on va dire qu'il est un petit peu transparent, eh bien on peut rajouter 3 volumes d'eau. Suis bien, c'est assez intéressant. Et de 1, et de 2, et de 3. Et 3 volumes de boissons noires. Et on remet sur feu moyen, voire un peu fort quand même. Le temps que le riz absorbe tout ça, on laisse couvrir, ok, et on s'en occupe plus. Moi, dans mon émission, je fais toujours une cascade. T'aurais l'idée d'une cascade si t'as envie ? Oui, j'aimerais bien devoir manger des croquettes de chat. D'accord. Donc, pendant que je mange les croquettes de chat, est-ce que tu peux découper le jambon ? Tu fais des lamelles de jambon. C'est dégueulasse. Ah ouais ? Donc, je fais des lamelles de jambon. Ah ! Tu peux en faire une deuxième tranche ? Je vais arrêter. Je vais dégueuler. À chaque fois que j'avale le truc. Une fois que le liquide a été absorbé par le riz, comme tu peux voir, hop hop, on rajoute le jambon. Alors moi je mets du jambon, mais on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Hein. On peut faire comme si c'était du riz cantonné, mettre de l'omelette, de machin, tout. Mais comme je sais que je m'adresse à un public assez flemmard, on va juste mettre du jambon dans le riz, on remue un peu, et on laisse chauffer comme ça encore 2-3 minutes. Voilà. Donc le liquide a été bien absorbé, on éteint le feu, sinon après on met la maison en feu et c'est pas très très lol. On fout, hop là, voilà, dans une assiette. Bon, je t'en fais pas, t'as pas faim, hein. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à manger. Et voilà, c'est fini. Très bien, Erwan, tu as réussi ton émission. Je suis fier de toi. Maintenant, tu peux aller rejoindre tes parents dans le jardin. Ah oui, j'avais oublié. Bon, ben, pour se dire adieu, on se fait la bise ? Non. Ok. Au revoir.
Et voilà. Mange mon geek est terminé. On se retrouve très bientôt avec un nouveau concept d'émission et un nouvel animateur. Ciao les blaireaux. Tu sors toujours avec la petite poilue là qui ressemble à Donkey Kong? Papa. T'as toujours tes jeux vidéo porno? Et tu es bon là au MMORPG? Papa, arrête. Mange ton guide, c'est séfarade ou Ashkenaz? T'as toujours tes problèmes d'érection? Arrête. Tu veux voir mon manus artificiel? Papa, on nous filme. Hein. Mais c'est pas comme ça qu'on cuisine. Non mais tu vois, sans deck, hein, moi d'habitude je me lève pas aussitôt, hein, ils sont fous quoi. Quand tu veux Nico. Hop, pardon. Bonjour chers amis téléspectateurs de No Life. Aujourd'hui, Alex Pilot nous a demandé de venir filmer les locaux de Game Production. Et oui, car aujourd'hui c'est une journée spéciale, donc nous vous faisons la totale sur le making-of de la chaîne. Game Production, vous ne le savez peut-être pas, mais Game Production vous fournit des émissions telles que EXP, Geeks Life et même Temps Réel. Mais aussi et surtout... Game Production, c'est le choix des clips indépendants de la chaîne. Et oui, les clips indépendants. Eh bien, vous vous demandiez tous qui s'occupait de ça. Aujourd'hui, nous allons enfin le rencontrer. Yaz. Viens avec moi. Bon, il y a les clips indépendants, bien sûr, mais il y a aussi Temps Réel, cette émission qui nous parle des démos CPC, des démos Atari ST, des démos Amiga, voire même PC, car la scène démo, c'est tellement énorme. Eh bien, tout ça, c'est une personne à Game Production qui s'occupe de tout ça toute la journée, toute sa vie. C'est Cyril. Venez avec moi. Mais vous savez aussi qu'il y a EXP, cette merveilleuse émission EXP, une émission qui nous parle de jeux de rôle tout le temps. Et tout ça, c'est grâce au fabuleux, spectaculaire Mehdi. Bon, en même temps, c'est un peu con cette histoire de faire des making-of un dimanche, en plein jour de vacances, quoi. Non, Alex, là, sans déconner, il a abusé, quoi. Y a personne. Y en a un ! Vite ! Donc de retour à la soirée de fin de saison de No Life, donc juste pendant un mois et demi de vacances. Donc tout de suite on va retrouver Vue Subjective le numéro 2, donc avec Thierry Falcoz qui va nous présenter un petit peu son dernier numéro de Vue Subjective. Merci. Bah, je serai super bref. Celle-ci en 16/9e, on a bénéficié d'un ingé son dessus, donc du coup la voix ça passe beaucoup mieux. Plein de nouveautés une nouvelle fois sur cinéma asiatique, avec des purs films de HK, on a aussi plein de films japonais qui sont vraiment excellents. Et un film vietnamien à ne pas manquer, donc c'est L'odeur de la papaye verte qui est sorti là tout récemment chez RT Vidéo, et c'est génial. Et il y en a plein d'autres, donc j'espère que vous apprécierez. À bientôt. Merci monsieur Thierry. Et donc tout de suite on va retrouver, parce que beaucoup de gens l'ont demandé, Régis Robert qui est venu sur les plateaux donc pour nous faire une superbe imitation de Jérôme de la série Nerds. Régis, c'est à toi. Dagodard. Ouah. Merci Régis Robert, c'est un plaisir. Ah, laisse tomber maintenant, c'est le moment de la cascade. D'accord, alors pour finir ce petit plateau, je vais devoir faire une cascade qu'on a demandé sur le site. Plus grand la langue. Oh, donc il faut savoir qu'après il y aura un Mange Mon Geek spécial et un une minute pour parler de spécial aussi. Je bave ou pas? Ouais, je bave. J'adore vraiment Vue Subjective, c'est vraiment une super émission, j'espère qu'il y en aura des nouvelles à la rentrée. C'est naze, je déteste les films chinois moi, c'est les Ting Chong Ding, j'ai horreur de ça. Bah, elle était mignonne la petite fille. Bon, elle était pas habillée en noir, mais... Et d'ailleurs, tu savais quoi, on ramasse la papaye? Non. Avec une foufourche, quoi. We'll be right back.
a demandé de visiter les locaux de No Life et on commence bien sûr par l'extérieur. Alors l'extérieur, il y a des gens qui font la ronde, c'est comme ça, vous reconnaîtrez No Life à ça. Il y a plein de clips Suzuka qui ont été demandés, 1000% Zakune, Manolo de Bidet Musique, Virgo no Shaka, Renaud et Patricia et Tipeee qui ont demandé. Anne Café Ichiban Yona, demandé par Sophie, Virgo no Shaka et Monsieur Bloop qui devrait aller se coucher quand même. Tokyo Café, spécial karaoké, t'as des bons plans pour le Japon? Itte kudasai. Attention, c'est uniquement liquide. Revenez quand vous voulez. Très bien, Idol Master Axel, toi t'es un bel otaku. Tommy February, demandé par Léofé et Axel, encore. Et Consumer, demandé par Jonathan. Le petit Radigo a demandé sur internet qu'on lui fasse la météo parce qu'il a pas envie de zapper. Alors demain c'est ensoleillé à l'est, orageux partout ailleurs, sauf en petit bout de Bretagne, va comprendre pourquoi. C'est la Saint-Carmen demain, et la Saint-Carmen, tu regardes la trilogie des X-Men. On est à l'intérieur des locaux de No Life et il y a un épisode qui est en train de se tourner en ce moment même de Geeks Life. Attention. Regarde, regardez, regardez, ils sont en train de tourner en ce moment même un épisode et on a saccagé la scène. Il est pas content. Voilà, donc... Oh ok, c'est trop cool. Et on continue, on arrive dans le bureau du président de la chaîne, Sébastien. Bonjour. Bonjour. Et tout à l'heure, j'ai vu sur internet, il y a quelqu'un qui demandait de voir Caroline et ils ont dit on veut revoir la belle fille qui est passée une fois sur No Life. Là, voilà. Yo. Voilà, et maintenant, on regarde des clips, hein. いらっしゃいませ. Tokyo Café, ようこそ. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Au Japon, on chante dans les karaoke rooms. 日本では karaoke は 1つの 部屋を貸し切りまして 友達だけで楽しみます. On ne chante pas devant les gens inconnus. 今日はですね, ゲストに サマルノさんを迎えて みんなで Comment il faut s'amuser au karaoke を勉強したいと思います. では これからお部屋の方に行きたいと思います。PS に行きますよー。ダンダラダンダンダン。こちらに、どうぞどうぞ。エレベーターに乗ります。3階になります。私たちのお部屋は4階です。Alors, donc, nous serons 4階のお部屋です。こちらになります。行きますよー。トクトクトク、サマルノです。こんばんは。こんばんは。あれ、なんで来たの今日？今日はちょっと2人にカラオケのマニエフというカラオケを教えてもらおうと思って来ました。はいはいはい、はい、いいのかな、私で。いいですよ、みんなでカラオケの勉強をいたしましょう。レッツゴー。まず最初に、どうやって飲み物を頼むか。さあ、ではちょっとアルノさんにやってもらいましょう。どうするでしょうか。さあ、アルノさんは、アルノさんが手に取ったのはメニュー。メニュー、はい、メニューで、飲みたい飲み物を決めましょう。どんじゅうべれ、コモンデジェデコシュ、テレフォン、エラ、ジェスフィンコンタクト、ディレクトアベクラレセプション。アロラレセプション、メイクウはい、ですね、あの、が3つと、が2つで、はい。今のアルノくんの行動は、正解です。今カラオケに入りました。またサムが何か頼んでいます。ですね、一人で追加注文をするのは大丈夫です。ですね、まずカラオケというのは、日本のカラオケというのはですね、こういう本があります。本がございますね。これをですね、見ますとこうね、選べます。Alors ça, c'est une télécommande, tout simplement. Sauf que dans cette télécommande, il y a absolument tous les catalogues qu'on peut trouver dans cet établissement. Recherche par morceau, recherche par genre, recherche par artiste, medley, choses comme ça. Et nouveautés. Toutes les nouveautés sont classées comme ça. この行動は正解。ウルトラ日本アレジャポン、という曲をサムと二人で、田中さんも。
ですね、時間も決まってますので一人が何曲も一度に入れてはいけません。みんなこう次の人にプロポーズしたり私は夢見るシャンソン人形心いつもシャンソンあふれる人形私は時々
Elle est super cette émission. Super. Je comprends pas, ouais, c'est juste des cubes. Quoi. Ouais, mais il y en a plein. Moi j'aime bien les cubes, sauf qu'ils sont pas noirs. Ah ! Kawaii ! Grillé. Y'a personne. Y'en a un ! Vite ! Vas-y, chope-le ! Monsieur, vous travaillez ici ? Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Il est 23h. Ouais, il est 23h. L'heure des chips. L'heure des chips. J'aurais préféré du concombre, mais bon. Donc, bienvenue sur ce plateau. On va visiter le reste de nos lives. Hein. Donc là, on est dans la salle où tout est enregistré, tout est filmé. On va aller dans la cave. La cave, c'est là où tout est monté, où tous les techniciens sont en train de bosser dur pour que vous voyez tout en presque temps réel. La cave, ça me fait penser que juste après, vous allez avoir Marcus dans chez Marcus avec un invité exceptionnel. C'est sur Mortal Kombat. Voilà, suivez-moi. C'est dangereux, attention caméra, tu marches sur le fil du micro, tu vas tomber. C'est bon, vas-y, hop, hop là, voilà. La bande d'arcade, la célèbre bande d'arcade de No Life. Docteur Lacave en train de monter, ça va ? Dans la cave. Dans la cave, une mise en abîme un peu, vous voyez. Nous avons Monsieur Poulpe. Bonjour, mais il paraît que vous vouliez visiter Docteur Lacave. Non, c'est pas ça. Bah, c'est vrai, je rox du poney, merci. Merci. On continue. Clément, qui s'occupe du son en stage. Salut. Ça va ? Ça va. Tout se passe bien ? Très bien. Regarde en ce moment même ce qui se passe. Voilà, alors ça c'est en ce moment et nous on est en train de filmer, d'accord ? Et là ce que vous allez voir, c'était pendant ce moment-là où vous le voyez vous. Vous avez compris ? On s'en fout. Rémi, bonjour. Caméraman, monteur, ça va ? Ça va. Tu montes là une minute pour parler d'eux de tout à l'heure. De tout à l'heure, effectivement. Voilà, on les a tournés, voilà. Et là, c'est la place d'Alex Pilot. Mais Alex Pilot, vous le voyez pas parce que Alex Pilot, il est là. Ah, voilà, c'est sa main. Voilà, chez Marcus. Allez, hop. Et y a pas d'abord un. Y a pas un truc là ? Ah, si, on a tourné spécialement un truc. Attends, mais un Mangement Geek, non qui va Ah, oui, un Mangement Geek, oui, pardon. Un Mangement Geek. Et c'est toi qui l'as fait, non ? Ouais. On l'a tourné tout à l'heure. Ouais. On vient de le monter, Rémi vient de le monter. C'est bien, hein ? C'est bien, travaille bien. On a faim. C'est une mission pour Mange Mon Geek. Oui, je vous prépare ma spécialité, une quiche à l'italienne. Vous allez m'en donner des nouvelles. Hein. Oui. Alors, pour ça, il suffit juste pour la quiche à l'italienne de prendre son téléphone, de composer le numéro... Le numéro favori. Hop. Oui, je voudrais une quiche à l'italienne, s'il vous plaît. Merci. Et voilà, et donc en attendant que la quiche à l'italienne se fabrique toute seule, eh bien on va faire une petite cascade, vous allez voir quelque chose d'hallucinant. Je vais traverser en dehors des passages cloutés. Alors là, attention, vous allez voir une cascade hallucinante, je vais traverser devant une voiture. Toc toc toc. Oui. Oui, parce que Adolife c'est toujours ouvert en fait. Merci madame. Voilà, et donc maintenant bah, la prochaine étape c'est découper les pizzas. Alors Suzuka, elle te plaît ma pizza ? Ouais, moi aussi je trouve que ma chemise elle me va bien, ça me fait un peu musclé je trouve, ouais c'est vrai. Ouais. Tu veux te marier avec moi ? Ça veut dire oui hein. Vous avez vu, sur nos lives, il y a une soirée spéciale, on peut choisir son programme. C'est super cool. C'est excellent ça. Seul truc. Tenez, je vous apporte une pizza, hein. Bon appétit. Merci. C'est cool. Hey, vous avez vu, sur nos lives, il y a une soirée spéciale, on peut choisir son programme. C'est super cool. Ça c'est génial, c'est vraiment une très bonne idée. Seul problème, c'est que quelqu'un peut choisir Geeks Life. Non. C'est trop une série merde. Ça sent trop la série française, ça pue vraiment trop du cul. Mais c'est mieux que Mange Mon Geek.
quoi? Marcus? Ouais? Il y a un mec muet avec une caméra devant la porte. Ah oui, c'est les mecs de No Life, excuse-moi, je t'ai pas prévenu. Bonjour, bonjour, petits amis de No Life, on peut les laisser rentrer, ils sont pas méchants. Rentrez, rentrez, les gars. Oui, je t'ai pas expliqué, Tom, en fait. Vas-y. C'est vrai que j'aurais pu te prévenir. Voilà, en fait, chez No Life, ils viennent un peu quand ils veulent, les téléspectateurs, et ils viennent voir à quoi je joue en ce moment. Alors, on était en train de jouer à Mortal Kombat avec Tom, en fait. On était en train de se friter. Très bien, on continue. On continue, c'est parti. Ça me fait plaisir, en plus, c'est la dernière émission de la saison. Donc, du coup, j'ai un invité, c'est super cool. Bon, peut-être ce sera vous l'invité la prochaine fois. On disait qu'on inviterait bien des téléspectateurs pour de vrai. On verra ça à la rentrée. Pour le moment, on n'invite que des célébrités. On est comme ça à No Life. Bon, alors, on n'a qu'à continuer comme on faisait tout à l'heure, après tout. Ok. T'es en train de prendre une dérouillée, je te le rappelle. Une fois de plus, ouais. Donc, mesdames, messieurs, aujourd'hui, Tom et moi, nous jouons à Mortal Kombat sur Wii. C'est-à-dire qu'on a les petites manettes qui déchirent leur race. On va vraiment faire les mouvements et tout ça. Pour faire des... Dans la mesure du possible. Hein, voilà, ça. Parce qu'on est vieux et qu'il ne faut pas faire des gestes trop brusques à nos âges. Donc, on essaye de jouer prudemment. Qu'est-ce qu'on fait alors en mode... On commence par une démo de base, non? Un combat, avec un K. Un combat. Alors attends, juste un truc, est-ce que tu peux revenir sur le menu d'avant? Ah. Remarquez l'orthographe des menus, il y a un gros problème. Ouais. Combat s'écrit pas avec un K. Créer un combattant, non plus. Créer non plus. Une crypte, c'est... Non, c'est un C normalement. Voilà. On va vous donner des cours. Et bonus, ça s'écrit... Non. Là, c'est... c'est bon. Là, c'est bon. Donc nous, on va faire un combat avec un K. Un combat. Voilà. Un combat. Donc, petits amis qui utilisent les SMS, n'écrivez pas comme ça. On va faire un duel. Oui, duel, c'est très bien. Il y a différents modes de jeu habituels. Il y a plein de sortes d'entraînements possibles. On peut se perfectionner, apprendre tout par cœur. Pour les plus performants d'entre vous. C'est génial, j'ai rien à foutre aujourd'hui. Ah non, mais tu vas bosser. Je vais bosser. Bon, on y viendra plus tard à la création de du son personnage, propre avec un personnage. Avec, voilà. D'accord. Donc là, on va prendre au pif. Hein. Moi, il y en a un que j'aime bien. Ah, je vais prendre Geneviève de Fontenay, regarde. Là, à gauche. Prendre, voilà, je suis à droite, je suis sur l'écran de droite, moi. À cause du chapeau. Moi, je vais prendre Kenshi, par exemple. Oh, on dirait le mec des X-Men. Voilà, un aveugle. Ce qui peut être assez... En combat, pourquoi pas? Non, mais c'est, disons que ça peut me correspondre, un aveugle. Vu que je ne vois pas bien ce que je dois faire, parfois. C'est aussi doué que moi. Voilà. Donc, Tom est à gauche, je suis à droite. C'est parti. Ah, il y a deux styles de combat par perso, vous voyez. Hein, moi, c'est mon katana. Ah oui, c'est vrai. Ou Taichi. Taichi, c'est les coups simples, hein, coup de pied, coup de poing. Donc, et katana, voilà, merci. Et voilà, ça c'est quand je ne sais plus quoi faire, je me mets à genoux et j'attends qu'il... Voilà, voilà. Bon, t'arrêtes, hein. Donc moi, j'y vais à la main pour le moment, mais voilà. Je peux changer de style et clac, je sors une épée, broadsword. Chaque personnage a une arme en plus. Et j'en profite. Donc, donc déjà, ça taille bien, parce que entre les coups de poing et les coups de pied, il y a quand même... Oui, oui. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Alors... Oh ça, c'est avec le bouton A quand on est collé, hein, je vous le refais. Non, c'est moi qui le refais, voilà. C'est la prise on a au corps à la corps. La prise au corps à corps, voilà, hop, double Nelson arrière, hop. C'était magnifique. Qui s'appelle le Reptile Spined Kenshigan. Kenshi... Normal. C'est pour la démo. Hein. Bien sûr. On est à peu près de même niveau, en fait. Ouais, ouais. On s'est pas beaucoup entraîné. Hein. Honnêtement, on vous fera pas des fatalities qui déchirent leur race, parce qu'on n'est pas très entraîné. Ah, les fatalities, en plus, c'est super dur à trouver. C'est vrai. Alors, c'est ça la nouveauté, quand même. C'est les coups... Mince. Vas-y, vas-y. Les coups spéciaux à la manette. Coup spécial. Donc, regardez bien les mouvements. Voilà. Voilà. C'est toujours des cartes de cercle, comme avant. Voilà. Ou un aller-retour vers l'avant. Voilà, il en a fait un. En appuyant sur la gâchette d'en dessous. Sur le côté. Hop, on cherche au début. Voilà. Au début, on tâtonne. Lui, je sais pas. Donc, j'ai ça, moi. Ouais, oh, je t'envoie mon petit chapeau de Geneviève de Fontenay. Boum. Et tu n'aimes pas ça. Ouais. Ah, on s'est croisés. Non, j'en avais marre d'en prendre. Donc, j'ai dit, je vais revenir à la bonne des... Ah, m'emmerde pas. Je vais perdre. Tiens. Tiens. Bon alors attends, réglons ça et après on fera voir des trucs au jeu, d'accord? Tiens, voilà, ça n'empêche pas de faire des petits coups spéciaux. Hop. Oh, pas mal. Oh, je crois que ça va le fameux ma botte secrète. Hop. Hop. Ah, t'aimes pas. Bien esquivé. Ah oui, on peut bloquer. Ah, on peut bloquer. Toi qui aimes bloquer, Tom. Voilà.
Regarde, là, je pars. Il y a les trois petits éclairs qui sont dans le coin, sont des parades. Alors, ça marque tout de suite. C'est-à-dire, quand quelqu'un a engagé un combo, en fait, quand quelqu'un commence à vous friter un petit peu, vous pouvez le bloquer, mais ça coûte un éclair, en fait. On peut pas parer tant qu'on veut, en fait. On peut parer les petits trucs, mais les gros combos, pour les briser, faut utiliser un éclair. Oh, c'est quoi, ça? Oh, l'aspiration. Magnifique. Geneviève de Fontenay ne s'en est pas remise. Et donc, dis donc, ça nous met un round partout. Oui. Donc, ce que je propose d'instaurer comme règle, c'est les deux premiers rounds, on fait voir des trucs, et le dernier, on se bat vraiment, et on voit qui c'est le meilleur. Oh, l'autre, il dit ça quand il a pris deux trucs d'avance. Bon, alors, allons-y. Donc là, on rigole plus, on vous explique rien, on se frite du mieux qu'on peut, c'est-à-dire à finishim. Alors, pas trop tard. Mince. En fait, les finishim, maintenant, il faut faire des mouvements genre je plonge mes bras dans le corps et j'écarte, ou alors j'attrape la tête et je la fais voler, tout ça. Il faut faire les mouvements avec ça, ce qui est assez rigolo. Il y a beaucoup de persos, ça c'est assez amusant au départ. C'est énorme. Quelques-uns à débloquer, semble-t-il. Ouais. Pas tant que ça à débloquer, puisqu'il y en a déjà 70 dès le début. Et ils se débloquent comment en allant dans la crypte, hein, c'est ça. Alors, il y a un mode conquest qu'on a un peu commencé tous les deux, qui est un mode aventure assez rigolo. On avance, on découvre des trésors, des costumes pour les personnages et tout ça. On gagne du fric, et avec le fric, on peut débloquer des trucs dans la crypte. Parce que tout dans Mortal Kombat est à base d'argent. Hein. Quand vous avancez dans le mode conquête, vous gagnez des sous. Quand vous gagnez des combats en arcade, vous gagnez des sous. Et avec ça, vous pouvez acheter de quoi équiper votre personnage que vous créerez vous-même si vous avez envie. Ou débloquer des trucs dans la crypte où il y a... un nombre incalculable de petits crânes à acheter dans lesquels il y a tous les rien. Choisis ton gars qu'on se batte. Trucs. Ah oui, d'accord. En parlant. Allez, un autre gars, une fille pour changer. Tu démerdes bien tes histoires de vidéo en fait. Une fille pour changer. Une fille, allez. Ouais, très bien. Sindel, non. Je suis content d'avoir rien à foutre aujourd'hui en fait. Avec des ailes. Tu fais tout mon boulot à ma place. Non mais pour dire qu'on veut aller vite, on veut tout vous dire que c'est un jeu distrayant, de baston, hein, ouais, et qu'on s'amuse bien entre copains. Alors c'est pas le truc ultime de baston, les vrais fans de baston, nous tous nos potes trouvent par exemple que c'est assez nul graphiquement. C'est vrai que c'est pas d'un très bon goût, honnêtement, c'est pas joli. Mais nous deux, ça nous éclate. Oh, c'est bon ce coup-là. Je te le refais, c'est quart de cercle, regardez. Mais viens, approche. Tiens, voilà. La moulinette. Attends, je cherche de moulinette. Tiens. Je te crache du... Vas-y, tente ton truc. Tiens. Oh, tu craches du crache sang, du sang. Ah bah oui. Alors c'est vrai que le design des personnages est d'un goût franchement douteux et tout. Mais je suis alors, super chute à l'étage en dessous. De temps en temps, on peut utiliser le décor pour faire des trucs. Oh, et moi qui vais de bon gré. Donc ouais, nous on a mauvais goût, donc ça nous va en fait, tous ces personnages un peu bigarrés et tout. Mais c'est vrai que le design est franchement pas ultime. Bon, je vais arrêter de faire ça, je vais faire autre chose. Merde. Oh, la tornade de feu. Donc c'est vrai que c'est un peu de mauvais goût. Et puis les coups, il y en a quand même beaucoup Je voulais t'attraper. Mais c'est pas... Voilà. Oh, joli. C'est pas très technique. Donc les vrais amateurs de jeux de baston vont être sûrement déçus. Mais nous, pour nos soirées neuneux, on appelle ça les soirées neuneux quand on Parce joue que, entre nous. Oui. Il faut dire que nous, on fait quelquefois un peu n'importe quoi. Mais que les puristes peuvent apprendre des séries de coups infinis. C'est vrai, ouais. C'est amusant. Mince. Oh. Non, c'est moi. Ah, regarde, c'était pour faire la liste des coups, regardez. Voilà. Ça, c'est 36 coups quand même, juste avec le premier style de combat. Vous voyez qu'il y a des combos assez... Les deux manettes, quoi. Voilà. Enfin, la croix et la manette du nunchuk. Donc ça, c'est tous les combos, toutes les touches, avec un seul style de combat. Le deuxième style de combat, là, c'est les coups spéciaux. Il y en a encore 32 coups. Différents, donc on est déjà à 60 coups différents, plus les coups spéciaux, là c'est ce qu'on voit, vous voyez la gâchette B plus les trucs, ça c'est les coups spéciaux. Donc on arrive quand même à une soixantaine de trucs, donc faut pas non avec plus dire avec des coups aériens, c'est nouveau, une petite nouveauté, mais là il faut les trouver. Bah faut sauter en l'air et faut faire le truc en l'air en fait. Donc on tente notre chance. Donc là qui a marqué le premier round, c'est toi? Moi je suis Syrax, j'ai vraiment un nom de... Ah, j'adore ce truc. Toi, à part ta perceuse, tu sais. Si, tiens, regarde, je crache une bouboule. Non, t'as bien fait de partir. Merde, j'arrive plus. Alors, des fois, ça prend pas trop les coups spéciaux. Ah, voilà. Donc, on a l'air stupide. Donc, moi, je suis en style. Roulette africaine. Voilà, j'ai une épée laser, moi, en seconde arme. Alors, toi, t'as des petites pioches, là. Oui, j'ai deux petites serpettes. Ça y va, ça taille à la serpette. Merde. Oh, pas mal, mon épée de Luke Skywalker.
J'ai failli dire un gros mot, on peut dire des gros mots sur nos lives. C'est l'avantage par rapport à d'autres. Ah, ah dis donc, il ne restait pas grand chose. Hein. Je t'ai laissé gagner pour avoir un final d'enfer. Donc c'est parti. Ouais. Je vais quand même faire un peu de tâtonnage et chercher des trucs. Oh, pas mal ça. Regardez bien, je vais vous le refaire. Regardez mon geste. Ça marche pas. Ah, faut que je le fasse vers alors, l'écran. Je vais essayer aussi. Bon, sinon j'ai ça. Bon, je vais te faire une... Voilà. Bon, ça marche pas. Je vais en profiter pour faire un petit... Oh ah oui, le décor casse. Et il est un peu interactif. Dans l'acide, je crois. Il y a des endroits où il y a des espèces de broyeuses et tout. Tu peux balancer les mecs dans la broyeuse. Alors, dans les bonus, il y a un truc débile, c'est une course de cartes. Tu l'as essayé un petit peu, non? Oh merde. Tiens, je vais exploser. Voilà. T'as bien, c'était un peu PES, t'as tapé dans le ballon un peu pour le renvoyer vers moi, mais... Donc, il y a une course de cartes, pas terrible, on vous fera voir quand même. Ah, mais on casse des œufs, regarde, en fait. Oui, oui. Mais c'est des œufs de quoi? De l'imp. Mais de l'imp, voilà. Déjà, de la belle limpe. Oh, finish-moi, finish-moi. Oh mince, trop vite. En fait, si jamais vous appuyez sur un bouton, vous pouvez pas faire le finish. Ouais. Il faut faire des gestes. Mais emporté par votre élan, vous aurez toujours... C'est vrai, ça c'est vrai. Bon alors, là, je vais vous montrer, par exemple, le personnage que j'ai créé. Ah oui, ça c'est cool, ça. Donc, il y a un truc, on fait un vrai porteur-robot. On peut choisir les sourcils, les cheveux, machin. Plus on a d'argent, alors, plus on peut acheter un bandana, un tas de trucs. Et il faut que tu rentres ton code, peut-être, avant. Non. Ah, il veut pas, dessous, tu crois? Je sais pas, il aurait fallu que tu appuies sur Z. Les menus sont mal foutus. Ouais, c'est bien la preuve que c'est mal foutu. Attends, on va sortir ce... Oh, on les fait tous les deux, moi j'aime bien lui, là. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il a de spécial, je sais plus. Ah oui, regarde, il a la petite attitude du serpent. Alors, tu vois, c'est vraiment... Et toi, on sait pas. Merde. Allez, quand on le fait trop... Ah, moi j'ai ça, je sais que c'est bien. Oh, je veux. Ah, voilà. J'ai quelques boules de feu. Ah. Oh. Voilà. Donc, c'était... Un aller-retour dans ma face. Oh là. Voilà, moi je te grille ta petite perruque blonde là. Un peu traîné. Ouais. Là c'est que du coup spécial, hein. C'est un spécial coup spécial. Oui tiens, on va faire ça, t'as raison. Hop. Faut arriver à les sortir. Et moi je sais qu'il a un truc la super. Boule, demi-cercle. Oh. Ah pas mal. Pas mal ça. Allez, retour. C'est, voilà. C'est assez précis le truc, c'est genre. Droite, je vais faire gauche, le... gauche, droite. Je fais le tour de l'adversaire. En, avant, en arrière peut-être. Non. Oui, en avant, ouais, en arrière. Au bas, non. Ah voilà, là je t'ai aspiré de la vie. J'aime bien ce truc-là. Et oui, le mouvement est assez logique. Ouais. Genre, j'aspire de la vie. Ah, ouais, j'ai gagné. Bien. Ah oui, c'est comme ça que tu t'en sors. Parce que je te prends tes points donc, de vie. Donc je vais le deuxième, là, donc la deuxième sorte de la machette. La et moi machette. Je faisais le truc du serpent. Voilà. Je vais faire l'épée straight, c'est hétéro en anglais. C'est bizarre. ça doit être épée droite peut-être plutôt. Alors hop. Oh. C'est une épée d'hétéro, c'est bizarre. Tiens. Tiens, prends ça. Ça charcute bien. Donc en fait, faut jouer entre les deux, entre les coups spéciaux, les deux types de combats. Donc moi, je trouve que c'est quand même assez riche. Oh, ma fameuse triplette infernale. Tiens, moi, est-ce que je sais faire des trucs comme ça? Oh, vache. Oh, eh ben direct, voilà. Cobra. Cobra, ne pas confondre avec Monsieur Cobretti, alias Sylvester Stallone dans le film du même nom. Hein, ah oui, c'est vrai. Il est blond. Avec, il a une petite allumette dans la bouche là. Oui, voilà. La Cobra, et sais. Une paire de lunettes magiques qui a dû faire la gloire de beaucoup de routiers. Hop. Je voudrais bien là, faire c'est... ma petite prise au corps à corps. Mais tu me laisseras pas approcher, hein. Ah, fais-moi. Si, vas-y, fais ta prise. C'est gentil. Ah, ah voilà. Voilà. Je te grimpe. Jean de le man. C'est ce qui s'appelle ce tu veux me faire la tienne, vas-y. Moi, je te l'ai faite là, t'es ah, là. J'ai pas voilà. Hop, ah, c'était celle-là. Un petit côté catch, un petit peu. Hop, voilà. Voilà, oh, je me suis bien relevé. Ah, lui. Moi, j'aime bien de pomper les points de vie parce que finalement, c'est assez efficace. T'as enfoiré. Vu enfoiré. Je pourrais t'avoir que comme ça à distance. Ah, finish là, là, là. Regarde, je vais essayer de le finir. Non. On sait pas en fait, on peut pas deviner. Donc des fois en faisant un geste au hasard, ça marche et des fois pas. Ceci dit, je me demande si ça marche pas aussi avec une combinaison de coups. Bon alors. Faudrait voir. Alors, faudrait que j'aille on va essayer de prendre le personnage de Tom. Est-ce que tu peux appuyer sur Z pour t'identifier en fait? Parce que je pense que c'est ça. Faut d'abord que tu dises je suis Tom. Voilà, tu saisis d'accord. ton code. C'est mal foutu les menus. Une fois que vous avez créé un personnage, faut rentrer votre code pour pouvoir utiliser votre personnage. Donc Tom, t'as pris quoi comme perso? Ben pour l'instant j'ai pris... Il m'a ah t'as déjà choisi un gars. Oh non, appuie sur la gâchette. Voilà. Voilà. Et maintenant choisis ton gars. Et moi je vais en prendre un autre pour ce temps-là. Voilà. Ça
Ça y est, tu l'as? Oui, mais... Ah non. Il va apparaître. Non? Ça marche. Si, le voilà. La crevure. Parce qu'on peut donner le nom qu'on veut. On peut l'appeler comme on veut. Donc la crevure avec un K. Un K, son... oui. Son cri de guerre étant en crève. Et alors, on fabrique son propre style de combat, parce qu'on peut acheter des coups spéciaux en plus, qui vont de, je sais plus, 200 à 1500 points, 2000 points, enfin, des sous, et compléter, changer donc des accessoires. Hein, alors déjà, attends, on va admirer ton look. D'accord, voilà. Je vois que tu nous l'as mis un petit béret. Oui, j'ai mis un 55B, hop. On peut choisir la taille des seins. Je ne sais pas, j'y connais rien. Et puis surtout, on peut choisir son style de combat. Donc, tu as baptisé ton style de combat le bourre-pif. Vous voyez en bas à gauche de l'écran. Voilà, le bourre-pif. Et l'autre style de combat, c'est le taille-burne. Il faut voir le taille-burne que ça fait. Voilà, c'est efficace, j'y touche à rien. Voilà. Alors moi, c'est dommage, c'est sur ma Wii et on peut pas transférer les personnages d'une Wii à l'autre. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est dommage. Le mien s'appelle Oncle Sam, avec un K aussi. Mais il semblerait qu'on puisse, si on crée à plusieurs, chacun à son profil sur la même console, on peut utiliser chacun son personnage. Chacun une utilisation. Mais ce qui est dommage, c'est quand je vais jouer chez toi, voilà, je peux pas utiliser mon personnage. On peut pas emmener ses personnages avec soi. Oh, dis donc, pas mal. Ça, c'était l'aérien, ça. Voilà. Hop. J'ai pas vu le jeu, j'ai rien vu. Ah tiens, regarde, je te coince le pied et oui, voilà. Il marche sur le pied. Pas mal. Donc nous, on est plus sous le Calibur d'habitude. Notre gros jeu, c'est sous le Calibur 2. Parce qu'on peut faire des tournois à plusieurs. On se met à 4 dans chaque équipe. Oh, finish-moi. On n'aura pas réussi à faire un finish. Hop, joli. Donc sur sous Calibur, ce qu'on fait d'habitude avec Tom, c'est qu'on est deux équipes de 4 et on se relaye. C'est-à-dire, comme c'est l'un contre l'autre. Mais je me demande si c'est faisable là-dessus. Non, on peut pas. Apparemment, il n'y a pas tournoi. Alors, nous voulons nous élever contre Soul Calibur 3, où on nous a supprimé cette option de tournoi à plusieurs. Et du coup, on joue toujours à Soul Calibur 2. Tiens, il y a le Borracho toujours. Ah oui, Borracho, oui, prends-le. Je prends Borracho. Qui, lui, a des coups spéciaux. Très spéciaux. Bien spéciaux. C'est-à-dire, de Borracho veut dire pompette en espagnol. Faut le savoir. Je ne le savais pas. Il a un coup spécial que j'adore. Vous êtes dans les décors qui servent aussi aux jeux d'aventure. On aurait pu passer aux jeux d'aventure. Oh oui, c'est vrai, ou faire voir le truc de cartes. En même temps, on n'a plus beaucoup de temps, même si on pourrait rester toute la nuit si on voulait. Mais... voilà, on casse des trucs. Mais c'est peut-être mieux qu'on continue à se friter. Alors, est-ce que tu peux me faire le coup spécial de Borracho que j'adore? Alors, il y a le coup de Bedel et le coup de vomi. Regardez, je peux glisser dans son vomi. Voilà. Tu peux revenir, voilà. Donc là, ça permet de déséquilibrer. Et tu peux me frapper pendant ce temps-là, évidemment. Voilà. Mais moi, j'en profite. Je suis surpris par mon string. Boum. Alors, laisse-moi t'attraper. Voilà. Hop, un petit coup dans l'estomac. Et ensemble, un petit plongeon. Oh, elle veut pas se relever. Un elle petit est saut complètement plaquée. Donc nous, on l'aime bien. Jojutsu étant son deuxième coin. Drunken Fist. Le point ivre mort. Le point, voilà. Oh, c'est pas mal, mon petit retourné de pied. Oh, dans le ventilo. Et voilà, là c'est victoire illico, direct. Normalement. Non J'ai gagné un round, direct. Ah oui, oui. Je suis content qu'on ait eu ça. Donc vous voyez, on peut utiliser les éléments du décor, mais c'est assez aléatoire. C'est-à-dire que là, j'ai pas fait exprès. Il y a des éléments où il y a des pics. Moi, j'avais gagné l'autre fois un combat en envoyant Scorpio s'empaler sur un trou dans un autre décor. On choisit pas son décor, semble-t-il. Si, je crois qu'il y a une option, mais on l'a pas vu. Ah, finish-moi, vas-y, essaye. Fais des quarts, des machins. Oh oui! Un coup, et continue, t'as encore... Ouais, allez, encore. Oh oui, Stom, c'est magnifique, tu m'as arraché le visage. En fait, à chaque fois que tu fais un finishing, t'as 10 secondes pour en faire un deuxième, et ça se fait en étapes, voilà. Oh, écoute, je crois qu'on peut pas finir sur mieux que ça. Si, on va finir parce qu'il y a un truc que je voulais faire. On va prendre un gars et une fille. Ouais. Donc on va prendre un beau gosse, genre Johnny Cage. Ouais, une tu prends une fille. Parce que les musiques sont pas terribles sur le truc. On va prendre la blonde. Voilà, prends la blonde. Voilà. Alexandra Lamy. Et donc, Jean Dujardin. Cage. Et ce que j'aurais aimé, c'était de mettre une musique du dernier album de Tom. Par-dessus, je à pense la place. Qui se mariera bien. Ah oui. Le petit bal perdu. Écoutez, alors, je ne sais pas, il y a une arme au milieu, est-ce qu'on peut la prendre? Je ne crois pas.
dans un petit bal qu'avait souffert. Ah si on peut, si on peut, je déconne, c'est le bouton A. Ah, ah, oui. Écoutez bien les paroles, nous on va se taire deux minutes. Tu danses? Parmi les bravas, il dansait dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Un grand moment de poésie sur nos lives. Tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Voilà, je voulais faire cette ce petite dont danse. Je me souviens, c'est qu'on était heureux les yeux au fond des yeux. Ensuite, les arracher les yeux. C'était bien. Et les c'était balles perdues bien. Sont pas perdues pour tout le monde. Tiens. Il buvait dans le batteur, j'ai fait appel au batteur. Toujours sans se quitter les yeux. Il faisait la même prière d'être toujours. Oh, c'est magnifique. Bravo Tom. Alors juste, voilà que je vous explique. Vous connaissez peut-être le petit bal perdu, c'est une chanson de Bourvil, et Tom il a fait un album que j'aime beaucoup moi, où ça a repris des chansons de Bourvil. Ouais, voilà. Des connus, des moins connus, mais qui gagnent à être connus. Exactement, donc moi le petit bal perdu, c'est pas une connerie, elle me fait chialer cette chanson, ça me met les larmes aux yeux. À l'origine elle est déjà très belle par Bourvil, mais elle est aussi très bien sur cet album. Je suis d'accord, avec ta voix de velours, c'est parfait. Donc voilà, si vous pouvez écouter ça, franchement ça vaut le détour, et puis ça remplace bien les musiques de furieux qu'on a habituellement dans les jeux vidéo. Bon Tom, merci d'être venu me battre avec rien, moi. De rien, de rien. C'était vraiment cool. On s'en fait une dernière petite, tous les deux. Et puis on va dire au revoir aux gens quand même. Ah bah tu peux prendre le personnage de mon fils. Mon fils en a fait un. Donc bah, on va jouer avec le personnage de Scar. Ah, pardon. C'est parti. Bon, petits amis de No Life, c'était le dernier chez Marcus de la saison. Bon bah bonnes vacances. Hein. Bah ouais, profitez-en bien. On se retrouve à la rentrée. Et puis bah tu reviendras jouer avec nous. Oui, sûrement. Oui. Des trucs de conduite ou de... Hein voilà, des trucs peut-être moins violents. Oh, on est dans le noir, on voit pas. Bon, on vous laisse, nous, il faut qu'on joue. A bientôt. Ciao. Ciao. Il est heureux de vous triste. Moi, je suis sans ce petit bal. Tu ne sais pas, ça s'appelle le jeu de la surprise. Ah, mais je suis invisible, quoi. Qui s'appelait. Ah oui, j'avais. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ouais. Bah, même invisible. Avec eux dans la rue. Alors la belle affaire. Je vois pas le mien. Le nom du bal. Oh, j'ai un marteau de troll. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux. Attends, un petit coup du marteau. Au fond des yeux. Eh bah bravo. C'était bien. C'était bien. C'est vrai que c'était bien. Je vais y aller, tiens. Adieu. Moi, je suis fini avec Scorpion. Saviez-vous que dans Tiny Toons, lorsque l'on dépasse les 88 miles à l'heure, on voyage dans le temps? Vous ne le saviez pas? Il est temps de mettre une jolie cravate et de rentrer dans le Hidden Palace. Thank you.
Encore, mais attends, on l'a déjà vu l'autre jour. Il était dans une mine pour parler d'eux et même le dernier épisode de Nerds. C'est clair, c'est plus un invité surprise, c'est un invité surfait. Ouais, mais à part faire un invité surprise, il fait quoi dans la vie ce mec? Il était pas chanteur avant? Non. Ça se saurait. Là, je suis sûr que la prochaine fois, on va avoir droit à Homer et Marge. Ouais. Voilà, défi assumé, hein. Donc je suis habillé en femme, donc j'avais pas de robe, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà, donc tous les fans de Yoy sont super contents. Alors, plein de choses, on va avoir des clips avec Kana, on va voir Kana demandé par Mehdi, Sophie et Crapaud. Ensuite, Consumer, encore, un autre clip, c'est vachement demandé ce soir, demandé par Big GG, Malitzi, Molly, Radigo. Et Ingrid, Jonathan, Brice et Radionat. Un mix de Geeks Life, plein de Geeks Life à la suite, ça n'est jamais arrivé sur No Life et c'est ce soir exceptionnellement. Demandé par Ikari, Crit, Yukito, Taxis44, Leto2, Laurent et HV. Vous aurez aussi des 1 minute pour parler de Suzuka. Ouais, c'est Suzuka qui a gagné. Voilà, vous verrez ça tout à l'heure. Ensuite, alors, on va voir tout de suite Suzuka. Il y a quelqu'un qui demande, enfin qui voudrait que tu dises anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Excellent, bravo. Bravo. Suzuka, ouais. Donc, oui, qu'est-ce qu'on a aussi encore en... Ah oui, Poulpe, oui. Il part après 23h30. Oui, ça y est, c'est l'heure, les petits font dodo, je vais montrer mes parties. Alors justement, hop, attendez, hop, hop, vite fait, voilà, tac, tac, paf, hop, ah, attends, j'enlève le bouton. Voilà, donc c'est vrai qu'en ce moment, moi, je suis plutôt New Super Mario Bros, donc là, on peut voir mes parties, je suis au niveau monde 8, je suis bientôt arrivé au boss final, c'est assez chaud. Merci de vous intéresser à moi à ce point-là, ça fait vraiment très plaisir. Non, mais il y a d'autres gens qui s'intéressent à toi. Didier, il y a un défi qu'on a pu trouver sur Internet tout à l'heure, alors bah, je pense qu'il suffit que tu le fasses. Et c'est Léo qui a demandé que je fasse un petit quelque chose à Poulpe. Ben pour, je vais faire tout de suite. Pour toi, Léo. Oh. Allez, hop. Super. CTRL Z off DTC. Ah bah non, finalement c'est dégueulasse. À ce soir, hein, je rentre à 18h. Salut. Mais maman, je t'ai déjà dit. Le lapin au mori, c'est un tiers, deux tiers. Oui, oui. Lo que dice no tiene ni pies ni cabeza. 99 et 100. Oh mince, déjà. Salut. Salut. T'as pas bougé, hein? Ah, j'ai pas de mauvaise surprise avec toi, hein.
Benoît. Il trouve pas. Non, c'est rien, fais pas attention. Moi. Mais je crois qu'ils insistent un peu. Je t'ai dit, t'occupe pas, fais pas attention. Ah mais là... T'inquiète, ils vont se lasser avant nous. Ouais, j'en doute. Oh, bon voilà, voilà. C'est ta faute, je t'avais dit de pas les regarder. Oh ça... Attention, fumer tue. Attention, boire sans modération, c'est pas bien. Pour corser le challenge. Un bon exemple avec attention, il faut toucher manger n'importe quoi rend obèse et à terme tue aussi. Attention, les jeux vidéo rendent épileptique et idiot. T'aurais pas un peu grossi, toi? Attention, dire n'importe quoi à vos amis nuit gravement à votre vie sociale. Attention, rester avachi et ne rien faire, c'est mal. Ouais, bon, ben d'accord, si c'est comme ça, je sors. Attention, sortir de chez soi risque de vous mettre sous les roues d'une voiture conduite par un obèse, ivre, fumeur et asocial qui joue aux jeux vidéo sans jamais sortir de son véhicule. Non, mais c'est bon maintenant, qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi vivre ma vie tranquille. Attention, vivre tue. T'as l'air bizarre toi aujourd'hui, ça? Bah, je me sens un peu ballonné. Ce serait des examens? Bah non, c'est juste parce que je bouffe de la merde. Non, mais ce clip-là, tu le trouves comment? Moyen, perso, moi je préfère Yamaoka et Evan Lister. C'est pas faux que ceux-là, ils sont vraiment trop cool! Et pourquoi tu bugles comme ça? Bah ben, il paraît qu'on nous entend pas sur cette chaîne, alors bah ben, je fais des efforts. Ah. Ok, j'ai compris. C'est mieux. Nico, hein? On le met où ça? Bah ben là, comme d'hab. Hein. D'accord. Faites attention, c'est fragile. Ah ouais, bah s'il te plaît, mais il est pas léger, hein. Voilà. Bah merci les gars. Ouais, de rien. Voilà. Non mais les gars, franchement, là, ça fait plusieurs jours que je regarde cette chaîne et c'est de la merde, y'a rien quoi. Quoi? Non attends, t'es un peu dur, ils commencent à peine, ils ont pas énormément de moyens, il faut leur laisser un peu de temps. Mais attends, t'as les 10 clips français qui tournent en boucle non-stop, c'est... toutes les minutes, les tu leur vois les toi, mêmes. Toi tu vois que les 10 clips, mais attends, y a des émissions aussi, c'est important, mais tu sais ce que c'est à produire et tout, les plannings qu'ils vont faire, machin. Attends, l'émission, s'il te plaît, elle commence à 19h, à 19h05 limite, c'est terminé. Mais justement, après, bam, des clips français. De toute façon, Sylvain, toi tu sais l'ouvrir que pour critiquer, à ça critiquer c'est facile. Bah, ouais, mais franchement, pour entendre ça, je préfère me casser. Il se vexe tout le temps pour rien. Trop de tension! Ouais, c'est ça. Qui m'a commandé chez. Qui m'a commandé chez. Je vois vraiment pas ce qu'ils veulent dire par mauvaise influence. Moi les jeux vidéo, ok, j'ai joué toute ma vie, ouais. Et c'est pas pour autant que j'ai envie de tirer au hasard dans une foule. Oui, exactement, je vois pas pourquoi j'irais rouler sur des berceaux parce que j'ai fait une partie de GTA. Ouais. C'est absurde, quoi. Oh, une vieille. Quoi? 100 points.
Lol. Aujourd'hui, dans une minute, on va parler de... Ça fait répétition. Mais j'adore. On va parler de... Ah, ma chaise est plus basse que d'habitude, c'est un peu bizarre. C'est pas grave, c'est pas vous, c'est pas votre faute, c'est quand même pas un gag de votre part, quand même. Hein? Non? Non? Ok. Aujourd'hui, on va parler de Suzuka. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Ettenbrout, bonjour. Bonjour, et vous êtes Suzuka. Ah non. Non? Moi non. Non. Moi, enfin, une fois, j'étais à Tokyo et j'étais dans un café. D'accord. Mais sinon, il n'y a pas de rapport. Ok, bah écoutez, je raye, hein, donc avec mes doigts. Bah écoutez, je vais punir mon assistante parce qu'elle s'est trompée, hein, la coquine. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais lui épiler les fesses. Ça va faire mal, hein. Oh, non, 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 je vais dans le sens du poil. Ah, bah oui. Ah, bah, je suis pas un barbare. Je suis ah, pas un barbare. Non, vous êtes pas mes gueules. Non, je suis pas mes gueules. Alors, j'ai envie de dire quoi coquesse. Donc, j'ai envie de le dire, donc je le dis. Voilà. Vous le dites super bien. Merci. Mais c'est un peu, c'est quoi coquesse, hein, quoi coquesse, un peu comme on pourrait dire crin coquasse dans les schtroumpfs, mais pas pareil. C'est comme un cri du cœur, on sent que ça, voilà. C'est vraiment important pour vous. Tout à fait. Donc, pour revenir dans le sujet, vous êtes là pour quoi en fait? Maman m'a invité pour parler de la kick. Ah, voilà. La kick. Je sais pas non plus, j'avais rien à dire là-dessus, on m'a juste invité. D'accord. Excusez-moi. Oui. Vous êtes qui? Je suis Kana. Non, y'a quoi qu'il fait? Pourquoi tu... Parce que je fais mieux que toi. D'où tu fais mieux que moi? Oui, je fais mieux que moi. On demande aux autres. Ils ont dit, je fais mieux que moi. Non, mais c'est bon. Non, mais vas-y, viens. Tu fais tout mieux que moi. Donc tu prends la veste, tu te mets là-bas, tu fais le truc, okay, tu fais le truc. Voilà. Ok. De toute façon, excuse-moi, mais moi, faire le mec pathétique qui parle pas beaucoup, assis sur une chaise, n'importe qui peut le faire. Tu ne niques pas la veste non plus, hein, parce que j'ai envie de la remettre. C'est une taille S. Non, il faut commencer là-bas. Bonjour. Dans une minute pour parler de... J'ai une minute pour parler de... Ça fait répétition, mais j'adore. Je vais parler de Kana. Itiga. Ouais, j'ai fait mieux que toi. Ouais, mais je pense que... Oh, ah, ça fait mal, hein. Ils comprennent pas, mais ça fait mal, hein. Vous voulez un deuxième tabouret? Non, c'est bon, merci. Sinon, il y a une chaise aussi, là. Ça va, merci. Oh les studs! Oh! Oh les enfants là! C'est l'heure de l'interview là! Direct de No Life, le dernier plateau. Y a tout le monde, tous les animateurs, voilà, qui étaient là pour en vacances. Voilà. Vous avez pu apprécier tout à l'heure le plantage. C'était une rediff. C'était une rediffusion du plantage de avant chez Marcus il y a 15 jours. Voilà. Pareil pour Geeks Life, c'était le plantage d'il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes, ça c'est Marvin. Hein. Bon, voilà, ouais. Il part Marvin qui part en vacances aussi. Voilà, oui, nous on part bientôt en vacances, donc on va aller vite. Il y a le film d'action que tu avais demandé, Katsu-san, qui a été tourné par tout le monde ici. Tu vois, c'est un truc, c'est... mais alors, mais ça bat tous les blockbusters. Vous voulez pas encore monter là? Vous voulez pas encore monter? Il est en cours de montage. D'accord. Oui, Alex, d'accord, on explique que c'est... C'est en train d'être fait, c'est maintenant. C'est maintenant, regardez, on peut regarder ce qui se passe sur No Life. Là,
Non. Là. Voilà. Là, vous voyez ça? Eh ben en fait, c'est en cours de montage le film d'action. Donc vous le verrez tout à l'heure. Vous verrez aussi les 1 minute pour parler d'eux qu'on a tourné tout à l'heure, mais vraiment tout à l'heure, pendant que vous regardiez la chaîne. C'est bon? C'est ça. Et puis vous allez voir aussi des Geeks Live. Et puis tout le monde demande allez Kali. Alors non. Halukali, oui, beaucoup de mails pour nous réclamer Halukali, et c'est bien normal, c'était parmi les meilleurs groupes qu'on avait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on passe pas les clips comme ça parce que ça nous plaît. Il faut d'abord qu'on demande les droits au Japon. Et là, pour Halukali, on avait un contrat qui expirait la semaine dernière. Donc pour l'instant, on peut plus les passer. Mais comme elles ont eu des très bons scores, en fait, au J-Top, il y a des chances pour qu'on les ait à la rentrée. Voilà, donc merci d'avoir voté pour elles. On se bat pour les récupérer. Voilà. Tokyo Cafe, j'ai tout lu le mail. Il y a 3 personnes qui ont trouvé le bon chiffre. C'était 2079. Bunchichi-san, Jenshi-san et FDRS-san. Celui qui était plus rapide, c'était Bunchichi-san. Je vais te écrire bientôt email. Voilà, tu as tout compris. Et tout de suite. Mais si. vous allez voir, donc les minutes pour parler d'eux tout à l'heure. Pierre, il y aura Fumido. Les minutes pour parler d'une édite que tu as tournée tout à l'heure. Hein, une édite tournée tout à l'heure. Ouais. Les 3 derniers épisodes de Nerds qu'on a tourné il y a 1 mois. Demandé par Sylvain, Scar, Big GG, Christophe, Nigoki, Crapaud, Vache, Kaji, Chrisne. Et regardez, il y aura peut-être Tom Novembre. EXP, demandé par Marie, Caro et Ikari. Et voilà, on part en vacances. Et est-ce qu'on pourrait, avant qu'on parte en vacances, faire un peu filmer les fronts des gens qu'il y a par là, voilà, pour voir que l'éclairage marche pour de vrai. Voilà, on a chaud. Voilà, bon bah bonnes vacances à vous. Séquence Gore. It's party time. It's party time. It's party time. Party time. Hakim, hey Bobby, you can't stop. Tu sais, je suis le sidekick, mais j'aimerais avoir le vrai sidecar. Yeah. But we have to think about it later. Bonjour, je suis le président des États-Unis et je voudrais aller faire caca à Sanon là. Monsieur le président, revenez quand vous voulez. Méfiez-vous. Ah oui, hein. Il faut qu'on attaque le président des États-Unis. Ils nous ont volé les frites pour leur fast-food. Tout. C'est inadmissible. Tu vas voir ce sale américain, je vais tellement le faire chanter qu'ils vont faire un disque d'or. Tu connais la blague du français qui rentre dans une boulangerie? Michael, je fais le entorse à mon jean. Continue sans moi. Oh fuck! Ok. Mr. President! Mr. President! Psst, 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 psst. Pampan! Mal, j'ai oublié mes armes, j'ai oublié mes pistolets. Tant pis, c'est pas grave, on attaque avec nos mains. Oh, j'ai oublié mes mains! Oh fuck, Mr. President, we have got a chance! Hey, go, let's go, let's go! Up and down! Up and down! S'occuper! Je l'ai eu. Bon, détachez-moi là-haut. Eh bien, nous voilà de retour dans les studios de Game Production. Nous avons réussi à trouver quelqu'un qui travaille ici pour la chaîne No Life. Il s'agit de... Mathieu, du Bost. C'est bien. Alors Mathieu, il paraît que vous travaillez donc pour No Life. Vous avez fait par exemple, paraît-il, l'habillage d'une, de cette virgule magnifique qui s'appelle Geeks Life. Geeks Life. On peut passer à autre chose. Tu verras tout à l'heure. Alors, sinon, il paraît que vous travaillez sur EXP. Oui, XP, oui, bien sûr. Une émission qui est arrivée à terme, finalement, avec Mehdi. Mehdi, bon, n'est pas un modèle de ponctualité. Et qui, bon, a mené à bien, finalement, ce navire. Sa barque, comme on dit voilà. Chez nous. Eh oui. Et alors, donc, l'habillage, comment vous est venu l'idée, les trucs comme ça qui font... Et puis... Oh ben le RPG, hein, c'est assez vaste en univers, hein, y a de quoi faire, donc bon, on s'est fait plaisir. Et cet habillage à la Final Fantasy avec poutou, 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 poutou. Oh ben référence à un grand RPG. Hein. Voilà. Et sinon, apparemment, vous faites autre chose pour No Life? Bah, je bosse, je fais des virgules pour l'équipe indépendante, et puis peut-être d'autres choses prochainement. Vous préparez autre chose? Avec le monsieur qui m'interviewe, ouais, on va faire une émission sur le PC. Waouh, si là, il n'y a pas de l'exclu, hein. Carrément. Vous comptez faire d'autres habillages pour la chaîne ou pas? Bah, par exemple, peut-être cette émission qui parlera computer, et puis on verra par la suite. Par la suite. Eh bien, par la suite, comme ça nous pouvons dire, par la suite, la fin, et donc, à bientôt.
Je l'ai eu. Alors, nous revoilà donc dans les locaux de Game Production. Finalement, nous avons réussi à trouver quelqu'un qui travaille pour No Life. Donc, il s'agit de... Mathieu, du Bost, avec un T. Alors, par exemple, sur quoi avez-vous travaillé? Il me semble que vous avez travaillé sur cette merveilleuse émission qui s'appelle Geeks Life. Geeks Life. On peut passer à autre chose. Ça se perd. Sinon, vous avez travaillé sur EXP, il me semble. Effectivement, l'émission du RPG, avec notre compère Mehdi. Mehdi, qui n'est pas un exemple de ponctualité, mais avec qui ça s'est finalement passé. Donc, on a fait cette émission qui parle de RPG. On a fait la première, on va essayer de faire la deuxième cet été. Alors, donc, l'habillage, comment vous est venue l'idée? Il me semble que vous avez travaillé quand même pas mal de temps dessus. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oh, bon, on s'est fait plaisir, hein, en essayant d'explorer l'univers du RPG. Donc, beaucoup de Final Fantasy dans l'esprit, mais ça fait son effet. Ça fait son effet, en effet! En effet. Donc, il me semble que vous préparez d'autres choses pour la chaîne. On va essayer de faire une émission avec le compère qui m'interviewe sur le monde du PC. Donc j'essaierai d'y participer à ma manière, en essayant de l'habiller aussi. Vous faites aussi, il me semble, tout ce qui est petite virgule dans les clips indépendants. On en a vu une avec la musique d'une certaine Manu, hein, que nous retrouverons très bientôt. Y en a-t-il d'autres de prévus? Oui, j'essaye d'en faire une prochaine et puis quelques autres qui suivront par la suite. Est-ce que vous avez un petit message pour nos auditeurs, spectateurs, téléspectateurs qui sont là? J'avais pas prévu, mais bonjour déjà, rebonjour, et puis continuez de regarder No Life! Bah voilà, ça c'est bien. Bah j'espère qu'Alex va être content et puis à bientôt. Détachez-moi! Oh non, laisse là. J'adore une minute pour parler d'eux. C'est génial, cette manière d'improviser, mais franchement, ils ont trop la classe, quoi. Ouais, moi je trouve pas ça terrible, hein, personnellement. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, en une prise, et sans rigoler. C'est tendu, là, quand même. Bonjour, aujourd'hui on va parler de... Aujourd'hui, dans une minute, Ok. Bonjour, dans une minute pour parler d'eux, aujourd'hui on va parler de, ça fait répétition mais j'adore, on va parler de Endive. Et pour ça je reçois... Jean-Michel Lutenbrook, bonjour. Bonjour, alors Jean-Michel Lutenbrook, vous êtes spécialiste en endivophilie? Non, pas du tout, non, moi je suis spécialiste des ongles de pied. Ah, excusez-moi, mon assistante ne m'a pas donné de fiche, ou alors je ne les vois pas, je suis myope. Pour ça donc, je vais devoir énucler mon assistante. Je ne sais pas, j'ai envie de dire quoi couquesse les endives. Dites-moi Jean-Michel, je vous écoute, je suis toute crue. Alors les endives, ça ressemble un peu à un sextoy déjà dès le départ, et ça peut s'éplucher. On remarque tout de suite au départ que c'est un dégradé du vert vers le blanc. Oui. Et que habituellement, c'est plutôt mangé soit par des tortues, soit par des scieries. Attendez, vous avez dit quelque chose de très important, j'avais toujours envie de... très important. Alors, vous avez dit les tortues et Cyril, mais alors qui est Cyril et surtout qui sont les tortues? Alors, les Cyrils sont des animaux avec une carapace qui vont dans la mer, et les tortues sont des animateurs de No Life qui font une émission. Très bien. Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on peut dire que, quelque part, Cyril, qui présente, je crois, quelques émissions sur No Life, coupez-moi, je vous en prie, Cyril qui joue dans Geeks Life, Excusez-moi. Oui, mais vous êtes qui? Je suis Schizo et je fais Geeks Life tous les mardis à 22h30. Vous pouvez me retrouver également 30 rue... C'était super cette soirée! Pas mal. Enfin, en même temps, là on va se taper toutes les rédifs de l'été. Oh putain, c'est génial! Moi j'ai pas vu les trois derniers épisodes de Nerds. Ouais, et puis bon, ce qui est bien c'est qu'a priori ils vont repasser plein de nouveaux clips. Y'en a un! Et merde! Thank you.
Voilà, c'est terminé, c'est fini, on va partir en vacances, au revoir, bye bye. Et puis on voulait vous dire merci d'être resté jusqu'au bout, merci à Alex, merci à Seb, merci à tout le monde, Geeks Live, Karine, qui s'appelle Caroline en fait, hein, les gens, vous avez rien compris à son prénom. Mais ouais, c'est Caroline, Caroline, voilà. C'est simple. Vas-y, donne ton numéro. Non. Et je pense que pour terminer, on peut dire un grand merci à Cyril. Cyril pour Nadia. Merci pour Nadia. Merci. 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 À la rentrée en septembre. C'était petit. Je suis petit. À bientôt. Ciao. Regardez-nous cet été. Alors tu crois que c'est fini? Mais non, parce que Docteur Lacave, il a choisi des fins de jeu juste après là ce plateau. Tu vas voir plein de fins de jeu que tu préfères. Oui, garantie sans spoil quand même. Voilà. Donc tu peux regarder, c'est pas spoil. Everybody, let's bake a delicious cake for Mario. Thank you.
you so much for to playing my game. Bit of bad luck.